Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur ma chaîne Lemrev. Voici une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le texte argumentatif. Le texte argumentatif ou la méthode un texte argumentatif. Donc, restez sur la vidéo, un texte argumentatif. Il est très souvent que tu attends ou n'est-ce qu'il donc j'aimerais bien le texte argumentatif. Un titre, bref, donc un texte argumentatif. Hadi l'abréviation d'iel texte. Donc le comme donc texte argumentatif texte. Du coup, on va voir le H. Du coup, on dit un sujet. Donc, le sujet, on va dire H. Donc, du coup, on dit quatre genres de sujets. Du coup, on dit quoi? Le sujet. Sujet amené. Ou là, sujet posé. C'est-à-dire une question. Ou là, divisé. C'est-à-dire, du coup, on dit juge de la thèse. Ou là, qu'est-ce qu'on dit thèse à discuter. D'accord? Et non, qu'on a droit là, ce qu'on appelle texte argumentatif. Donc, il y a le sujet que un texte argumentatif. Je veux dire, argumentatif, il vous donne des arguments, il y a que vous les lèges avec, contre, et ainsi de suite. Donc, l'introduction, qui connaît une présentation, il y a le sujet. Je veux dire, il y a l'introduction. Une fois, qu'est-ce que vous avez le plan dire, ou le hasard de dire, نشوف اشنو غادي ندير عندي انتروديكسيون فهاد لانتروديكسيون كيكون عندك جوست واحد البريزونطاسيون tu présentes هذاك لو سوجي لا واش هو سوجي ا مون امبوز ا ديفيزي واش تاز المهم انت tu fais une présentation de هذاك لو سوجي puis des questions اللي غادي تخدم عليهم في لو ديفلوبمون هذا هي الانتروديكسيون عندك. Donc, l'introduction qui connaît le genre d'un sujet, chemin de sujet, une couche, un menu, posé, divisé, ou la thèse à discuter, puis quelques présentations ou des questions. L'enseignement. Qui est après l'introduction qui dit développement. Alors, développement, chemin de développement comprend souvent quoi? Deux ou trois paragraphes.